Chers frères et sœurs amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons encore pour nous rencontrer vous. Et nous disons le Seigneur, merci pour le privilège que nous avons. Il fait nous dormir, nous lever. Pour nous capables de passer un moment dans la prière, nous finissons avec la prière du matin que émission à travers la Bible TV est gagnée. Donc nous comptons pour faire ça. Et nous souhaitons que vous bénéficiez de ça. Ça est capable de stimuler ou encourager ou pour capable d'aller dans la présence de Dieu. Je dis, on a invité pour garder et il y a un verset que nous gagnons dans Exode chapitre 13, verset 17 et 18. Exode 13, verset 17 et 18, il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voilà, donc c'est ça nous gagnons aujourd'hui. Hein? Et le sujet nous gagnons, c'est Dieu voit les dangers qui viennent contre nous, mais nous ne les voyons pas. Et c'est ça, oui, bon Dieu, lui, ça qui peut venir pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, qui vient pour attaquer nous, pour détruire nous, et nous-mêmes, nous ne pas ouais, ça. Nous pensons que nous avons un bon chemin. Nous pensons parfois que c'est bon bagaille là nous fait. Et pourtant, c'est la route de la perdition que nous entrons. C'est la route et qui pourra mener nous dans la mort, dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère. Et bon Dieu lui-même lui voit ça, puisque Dieu li omniscient, avait dit le compte tout bagaille, li voit tout bagaille avant que l'Éternel à vivre dans l'éternité, c'est ça que fait l'Éternel. L'Éternel, c'est non, c'est attribut que l'Éternel à vivre dans tout temps, pour tout temps, mi-temps, passé, présent, futur, tant qu'à venir. Nous-mêmes, ça nous, ouais, c'est ça qui est passé et ça qui est devant nous, ça qui est demain, nous ne pas connaître. Nous ne pas connaître. Donc, très souvent, on dit que les mains ont des oreilles. Et qui est-ce qui l'a donné, qui est-ce qui l'a donné, c'est des hommes. Ou pas, ouais, ou y'a là, y'a écouté. Et surtout, dans le temps de la vie, je dis, hein, avec technologie, avec tout appareil, vous mettez smartphone, toute qualité, vous mettez des puces en dedans, vous mettez des caméras, ou pas qu'on ait, ou pas ouais, rien. Mais bon Dieu, lui-même, il y a tout bagaille, ça, yo. Donc, comme ça, et ça, nous besoin continuer, rester en bas contrôle, mon Dieu. Nous besoin continuer la guerre. Et protection, nous, la vie, nous, tout à fait, nous, tout nous-mêmes, à Dieu, bal contrôle la vie, nous, c'est lui-même qui connaît. Et dans le proverbe, et la caille, et bien, et tout proverbe, il y a toute importance. Il dit ça, oui, et monde qui connaît le chemin, c'est lui qui a dû prendre devant. Il dit, prends devant, pas dit compte, mais c'est connaît la route qui comptait. Nous,
presser cette tendance, nous ça nous aimer prendre devant, mais nous pas connait route là qu'on arrive dans carrefour quatre chemins, nous camper, nous pas connait si vous nous faire à droite à gauche. Mais l'Éternel, il connaît les chemins, il connaît tout côté, donc la dirige ou la conduit par où dans le vrai chemin hein, et pour aller jouer une réussite là, ça va chercher. Donc, l'Iwe dans le Géoliwel et dans le texte, non, c'est ça, oui. Et pendant Israël a sorti en Égypte, bon Dieu, l'Iwe, et qui chemin qui défend Israël. Le chemin où tu apprends, elle a conduit dans le pays philistin. Les Philistins, ce sont des hommes. Guerrier de guerre, ce sont des guerriers. Ils ont là toujours fait guerre. Ils n'ont pas quitté Israël passé. Et fuck Israël passé, parce que c'est l'Éternel qui décide, fuck lui passé, fuck lui libéré. Ils ne sont pas capables de détruire le bon Dieu, ou pas empêcher lui. Donc c'est ça, vous songez qui s'habita, comment Goliath. Comment les Philistins campaient devant Saül, devant l'armée, il fait 40 jours, ils ne sont pas capables d'avancer. Bon Dieu servit avec ti David pour tuer Goliath, pour mettre les Philistins en déroute. Donc, bon Dieu, tu vois ça. Bon Dieu dit clairement, oui, il voit ça, il dit, et le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Et retourner en Égypte. Peuple là-bas qu'on a rien. Bon Dieu, ouais, qui danger qu'a vienne pour lui. Bon Dieu, ouais, problème qu'a vienne pour lui. Et qui décision, ni qui réaction peuple ça va le faire. Et il a demandé vous tourner en Égypte. Ouais, il a choisi en préférence, eh bien, et tout. Et quand tout esclavage, tout problème que tu as en Égypte, tu préférais pour être capable de tourner en Égypte. Et vraiment, et bon Dieu, tu vois ça à l'avance, et bien, il fait provision pour ça. Mène peuple là dans l'autre chemin, même si le chemin est plus long, mais lui c'est ça, il change et trajectoire, c'est action ça, il bon Dieu fait, oui, il prend décision, il change, et verset 17 et 18 là, il change direction, il change direction, et bien, il mène dans l'autre chemin qui pourra le conduire vers la mer Rouge, et côté, il pourra le faire l'autre. Stratégie pour le peuple. Et il n'y a pas un niveau devant la mer, c'est un bagage non-sens pour camper, pour dire ou pour aller marcher, ou pour aller traverser devant la mer. Ça, c'est miracle, mon Dieu, mais bon Dieu, ouais, c'est ça, oui, ce sujet, il y a des dangers. Et il y a tout bon côté, qui côté réussite, là, qui côté gain travail, qui côté gain poisson. Il dit, oh, j'étais filé, ou ça, j'ai ça, il va ouais, mais bon Dieu, même dit, ouais. Donc, c'est bon Dieu, ça, on a servi, c'est bon Dieu, ça, on a prié. Donc, lui, il menait devant la mer Rouge, et il dit, c'est là, camper là. Et donc, lui, prend décision, comme ça, l'Éternel fait dans la stratégie, lui, il y a colonne de nuit qui marchait avec Israël, matin, le bayou, l'ombrage. Les couvrir soleil là pour yo à souhait même colonne ça servi de lumière pour marcher jour et nuit et qu'il y a ça le fait il virer devant pharaon la mais pharaon ouais ténèbres et Israël même un jour il ouais lumière il a marché bon Dieu agit il prend des actions il ouais danger hein et ben il y a des actions pour le prendre parce que même on pas ouais danger. Et il dit, l'Israël est découvert que Pharaon a venu d'elle. Et Israël relit les peurs. C'est Kounial, oui. C'est Kounial, oui. C'est Kounial, oui, danger. Il est en moi et il crie à l'Éternel. Il demande l'Éternel secours. Et l'Éternel campait pour lui-même. Et il fait tout le monde crier, il mettait la main à sec.
C'est ça, il dit, il mettait la mer à sec pour Israël passer. Parce que il était effrayé. C'est ça, il dit dans Exode 14, verset 10, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. L'Éternel, ouais, bagaille là depuis longtemps, mais c'est Kounia, Israël, ouais, les ouais, il en mouille, une grande frayeur prend. Donc c'est comme ça, l'Éternel, lui, ouais, problème, il travaille, il travaille pour eux, il travaille pour protéger eux et pour beaucoup, ouais, non. Donc c'est ça. Donc, bon Dieu qui a pris une décision pour le dévier et trajectoire là. Et où on doit reprendre un voyage, l'échanger, et au côté histoire, yon manager, yon joueur football international qui a joué dans Chelsea, qui a joué dans la première ligue en Espagne. Et monsieur est sorti au Ghana, il est allé à la Turquie. Et pendant là, et tremblement de terre là pour arriver. Et manager était là en Angleterre. Étant en Angleterre, il fait réservation pour l'aller dimanche qui est avant tremblement de terre là. Pour la long match que Joël là et Cliana a pu jouer. Et l'arrivée. Vol la changer celui-là. Quand y a l'air regarder et vol yo balia la privé dimanche soir et football là qui est en jeu, il dit bon et ça pas vaut la peine bon pour l'autre vol. Et cependant là pour changer vol là comme ça en Angleterre, vite tremblement de terre a passé. Ou qu'on a joué à mourir dans tremblement de terre là. Monsieur étant en Angleterre, il fait déclaration, ça lui dit bon Dieu vivant, bon Dieu réel. Parce que c'est pour monsieur Albralé, côté lié, c'est là l'appuyer. Donc il a mouru dans le tremblement de terre là tout. Bon Dieu, pas voulu le mourir dans le tremblement de terre, il a changé vol là. Bon Dieu, ouais, danger qui a venu contre nous-mêmes, mais nous pas ouais. Li prend décision, li changer tout bagay. Je dis, bon Dieu, ouais, qui problème ou gen, li ouais, qui danger qui a peuvent sous même, li connaît ça qui est besoin arriver dans la vie ou la pour orienter ou dans ça la prendre des décisions ou même continuer, rester, tendre voir, bon Dieu, l'elle fait un détour dans la vie ou pas, puis qu'on fâché. Ok, ça a dérangé ou mais qu'on est bon Dieu en contrôle. Ni ouais ça, c'est pis devant, on va comprendre pour qui ça s'arrive. Donc, nous aller dans la prière pour nous jouer une force, pour nous faire un discernement, pour nous capables de gagner un esprit d'obéissance, pour nous laisser les choses entre les mains de Dieu. Parce que nous connaissons, nous ouais qui ça nous a besoin, nous ouais qui danger qui a fait contre nous-mêmes, que nous pas ouais. Nous avons ouais son bel bagay, et autant puis devant, non, 5-10 ans, et non, puis ta, non, semaine prochaine, non, pas ouais, vous regrette ou te fait décision ça. Mandez bon Dieu, assistance dans la décision, nous, dans ça que nous avons fait. Nous prions, Seigneur, bon Dieu, nous te remercions en pile parce que vous êtes Dieu omniscient, vous comptez tout le bagage, et vous êtes Dieu omniprésent, ou partout, en même temps, en tout lieu, ou tout côté, et vous êtes Dieu omnipotent, vous êtes capable de prendre une décision, pas gagner, qui est capable de camper contre vous-même. Nous te remercions, nous gagnons pour Dieu, nous pour Papa, nous. Nous te remercions qui t'es nous servir, merci qui t'es nous prier, merci qui t'es nous l'emmener. Et nous prier pour toutes les amis qui avaient écouté, Seigneur Dieu, prière du matin. Nous sommes capables de répondre, orienter, Seigneur Dieu, ou même qui ouais, qui danger, et qui capable de venir contre nous-mêmes, et nous pas ouais.
Mais nous connaissons, ou à prendre soin de nous-mêmes, nous disons merci, nous exaltons, nous magnifions dans l'occasion ça. Regardez tout pays, regardez tout leader, tout dirigeant, président, tout le monde qui a dirigé, qui a pris une décision dans le monde, et qui a pris de bonnes décisions pour ne pas tomber dans des problèmes. Au Seigneur, nous connaissons qu'à faire ça, nous connaissons qu'à faire ça. Nous prions, gardez-nous ensemble au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, nous disons, bon Dieu, merci, nous te gagnons un moment ça. Nous souhaitons que nous et la guille, la vie, nous nommons le Seigneur. Et parce que lui, ouais, toute bagaille, il est en contrôle. Il a aidé nous faire route, là, faire de bonnes décisions. Donc, partagez un moment ça avec l'autre chose pour être capable de comprendre que le Seigneur avec vous. Et puis, pas oublier écouter. Et lecture, pas oublier abonner, inviter l'autre monde pour capable entrer sous et zone ça pour capable tendre la parole. Que bon Dieu est capable avec nous, ses amis, nos frères, nos pasteurs, les gens qui étaient là pour servir, que le Seigneur vous bénisse.